Salut à tous et à toutes, alors c'est CharlesKiller84 et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur Lego Marvel Super Heroes, oui, sur l'épisode de numéro 7 il me semble. Alors oui, je sais, je parle un peu plus vite que d'habitude, c'est pas de ma faute, je sais pas ce qui m'arrive, je suis content aujourd'hui. Aujourd'hui j'avais envie de jouer, donc je me suis dit pourquoi pas faire la suite, hein. Parce que j'avais pas d'autres idées de vidéo et puis il faudrait bien qu'on la termine un jour cette épopée. Hein, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Enfin bref. Alors la dernière fois, on est rentré dans la base de l'Hydra. On s'est battu contre Crâne Rouge. Parce qu'à côté, il y avait le docteur Arnim Zola. Je sais plus trop son nom. C'était Zola. Et puis, je vous dis que. À la fin de l'épisode, vous aurez une petite surprise. C'est la bande-annonce d'un film que j'attends avec impatience. Certains l'auront déjà vu peut-être. Et certains d'autres. Donc ceux qui regardent ma vidéo verront cette bande-annonce. Je dis pas le titre. Vous allez savoir lequel c'est. Après que. Enfin, dès la première image. Si vous aurez envie de regarder la bande-annonce, vous regarderez. Si vous n'aurez pas envie, vous regarderez pas. Alors, vous savez quoi, j'ai un peu vous montrer une mission secondaire. La mission principale attendra. J'étais en train de réparer la route après les dégâts causés par le docteur Octopus. J'étais dans le trou quand un espèce de type blanc m'a volé ma pelle et s'est enfui dans les tunnels. Sérieux? Je dois encore être dans les sous-sols. Si vous le trouvez, sauvez ma pelle, d'accord? Un espèce de type du gluant, je crois qu'on a tous deviné. Attends, je vais aller avec lui. Il va beaucoup plus vite, c'est beaucoup mieux. Un espèce de petit gluant. Je crois qu'on a tous deviné. Il s'agit bel et bien de Venom ou d'un de ses sbires. Wow. C'est où? C'est ici, les amis. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, à plus. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je suis toujours. C'était une blague pourrie, je sais. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Oui, CharlesKiller84, on confirme. Ta blague était pourrie. Je vous en rendrai pas parce que c'est la vérité. Et moi, il est où le truc là? Ah oui, c'est vrai, il est là. Alors. Oula, il est bizarre. Bon, on va prendre Captain America. Hein? Captain. Tiens, c'est bizarre ça. Oh, la bagnole. Vous savez quoi? On va prendre une bagnole, ça va aller un peu plus vite. Ça va aller classe. Mais elles sont encore plus classe. On décapotable. Et voilà, allez, maintenant on y va. Attendez, mais il y aurait pas un petit bug là? Il y a un bug là. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi pour penser qu'il y a un bug. Ouais, je sais, je suis un fou, moi je vais avec la voiture. Pourquoi il remonte là-haut? C'est quoi, on va le suivre? Hein? On va pas s'embêter la vie. On va le suivre. Parce que d'habitude, l'appel. Non, mais ça, c'est bien, c'est bizarre. Toi, tu te dégages. Non, mais apprenez à conduire là. Les civils doivent dire, il est fou le type. Où est-ce qu'il va? Je m'aime pas. Bon, vous savez quoi? Je vais aller à la mission principale. La mission secondaire, elle devient un peu chelou. Et je crois qu'il y a eu un bug. Normalement, ça se passe pas du tout comme ça. Alors, écoutez-moi bien, là, la prochaine fois, vous n'aurez plus aucune chance. Hein. Moi, je vous tire dans la tête une bonne balle, là. Et ensuite, je sais pas ce que j'ai.
Alors la dernière fois on a vu un truc bizarre qui n'était pas du tout de ce côté, je vois pas ce qu'on vient faire là-bas, même si je le sais, mais bon je sais pas pourquoi j'avais envie de faire genre c'est un playthrough. D'un seul coup comme ça. Et voilà la flèche humaine ici. Punaise par contre. Il y aura du boulot à faire hein, parce que là la carte est peut-être un peu trop noire. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, alors là nous voyons Thor avec le fameux signe. Bon alors je vais comment je me tais pour cette cinématique, enfin s'il y en a une. Non, toujours pas. Bon alors je peux encore parler parce que ce qu'elle dit c'est pas du tout intéressant, on n'en a rien à faire. La plupart des informations Mais je vous laisse quand même écouter. Le feu de renseignement obtenu sur la patrie Asgard provient d'un livre pour enfants trouvé par le docteur Eric Selvig au Nouveau-Mexique. Pour l'instant, tout concorde. D'accord, le truc non intéressant. Bah, je laisse écouter. Lisez-moi l'engin. Oh, grâce! Le coup de la foudre et les éclairs. C'est le dieu de la foudre. C'est son truc, disons. J'ai senti le vortex s'ouvrir. Mon frère Loki s'en est servi pour retourner à Asgard. Mais qu'est-ce qu'il cherche? La même chose que toujours. Le pouvoir. Et les casques à cordes aussi. Il adore ça. Ok. Ouh, classe. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est classe. Wow. Ah non. Ah, oh, comment c'est classe. Oui, je sais, je fais encore genre comme si c'était un. Si on prenait Thor, ça serait peut-être. Ah, mais même lui, il a du mal à tenir. Oh, Thor, t'es bizarre. Hein. Allez, fonce. Tiens. J'ai perdu deux cœurs. Comment ça, j'ai perdu deux cœurs? Je t'ai dit que j'ai pas perdu deux cœurs, hein. Attention. Ouais, j'ai récupéré un mini kit. Oh, fourmi, si tu veux. Ça, mais nous on va se recharger en électricité. Fondre la glace. Alors là, il me semble que c'est la première fois qu'on se retrouve avec autant de super-héros. Je crois qu'avant c'était 3 maximum et maintenant on arrive jusqu'à 4. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mes 4 abonnés que j'ai pour l'instant. J'espère que ça va s'augmenter quoi. Aïe. Dégage. Je déteste les géants des glaces. Vous savez quoi, on va un peu tester Thor. Allez. Tiens, dégage toi. Tu ne pouvais pas venir au monde. Oh, oh là. J'adore électrocuter les ennemis. C'est mon passe-temps préféré. Électrocuter. Même Captain America, j'adore l'électrocuter. Les ennemis deviennent vraiment de plus en plus résistants. Maintenant, il faut qu'un deux coups pour les vaincre. Ah ouais, j'adore. Allez, vous êtes prêts? Go! Voilà. J'avais juste envie que tu dégages. J'adore faire ça par contre. Bam! Je dois envoyer mon. Toi, recharge-toi, sésame! Allez, on va les éclater. Je veux éclater Loki. Ah, ça, c'est la fameuse épée. Normalement, il me semble qu'elle était plus petite que ça quand même. C'est assez bizarre. Bon, maintenant on est sur la route arc-en-ciel. Si je ne me trompe pas. Bon, allez, maintenant. Un peu de feu dans cette histoire. Parce que là, c'est pas ça, mais il y a peut-être un petit peu trop de glace. Et on va se prendre Wolverine qui est en mode squelette parce qu'il est en train de se régénérer. Oh, tiens, il y avait un truc pour sauvegarder, j'avais pas vu. On va sauvegarder pendant qu'on est en mode squelette. Parce que j'adore ça.
Toi tu dégages. J'essaye de prendre le maximum de pièces. Toi tu dégages. Voilà. Je vais modifier le décor. Comme c'était prévu. C'était pas du tout prévu. Bon, j'adore comment il s'est jeté comme un malade, le mec. Il est sérieux. Oh, la musique. Je crois que c'était la musique de Thor. Je sais pas. En tout cas, j'adorais la musique avec le moment comme ça. Vous vous dégagez. Je veux pas vous voir. Le feu contre la glace, c'est le feu qui gagne. D'accord. J'ai envie d'arracher les petits trucs comme ça de chez toi, Thor. Désolé, mais c'est trop un passe-temps pour moi. Allez, Captain. Tac, tac. Voilà. Bon, c'est bon, ils sont détruits. Ok. On va sauter dans l'eau. Wouah! Non, je rigole. Prêt? 3, 2, 1. Splash, le grand plongeon. N'importe quoi. Commencer à m'inquiéter. Moi aussi. Elle sait ce que j'ai fait de cet endroit. Ah ouais, trop classe. Ah oui, là le cube de l'hiver de je sais plus quoi, là le nom trop bizarre. Je crois qu'il a l'éveil. Je sais plus le nom. Comment ça c'est qu'il veut. Normalement il veut bien cramer et là il veut pas cramer. Pourquoi il veut plus cramer là? Allez, nommé cramé, je sais pas moi, fais quelque chose. Ah voilà, je sais ce que je vais faire comme technique pour les vaincre. Les deux, les cinq derniers, faire ça. Et ça. Bam! Oh! Ah super la technique! Je me disais, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il va le refaire une deuxième fois? Lui, j'ai. Voilà, toi, tu dégages. Ah, mais qui se téléporte? Voilà, c'est bon. Il suffit, te voilà à ma mère. Bon, écoute, Captain. Je peux pas le viser, ok. Allez, mais voilà, oh, punaise, j'ai mis un an pour le frapper. Combien de minutes de vidéo déjà? 12, 13 minutes. D'accord. Ah oui, non, mais moi, qu'est-ce que je fais là? Je reste là sans bouger, tranquille, pendant que le truc il reste joli. Désolé, Thor, si on démolit un peu tout chez toi, mais on n'a pas le choix. Wolverine. Comment va aller Wolverine en haut? Ne me demandez pas comment. Je sais quelqu'un d'autre qui va le faire. What? Oh, j'adore les faire ralentir qu'ils ont fait là. Oh, ça faisait classe. Mais ce que normalement le jeu c'est pour Wolverine. Ah d'accord, parce qu'on n'était pas encore dans Asgard. On était sur la planète pré-Asgard. Avant d'entrer dans Asgard. Encore un truc tout pourri. Sauvegarde les données. Tac. Alors, on va tous les éclater, hein, ces petits zombies. D'ailleurs, ce sont comme des zombies pour moi. Je suis désolé. Go. Et si, en fait, il y allait vraiment. Ah oui, bah c'est vrai, là je peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore rechargé. Ah mince, ok, je peux pas le lancer. Non mais j'ai envie de le taper, merci. Oh là là, il met un an pour le frapper, c'est abusé. Waouh. Allez, tape. Encore une fois, dans le panneau. Alors, Thor, s'il te plaît, tu me détruis tout. Il y a des gens qui ont envie de passer là.
Allez, mais construis, s'il te plaît. Enfin, il a construit, il a compris. Oula. Je savais pas qu'Asgard ils avaient cette technologie-là. On va prendre les deux petites pièces. J'aime bien cette idée de sens, de genre le sixième sens de Spider-Man, de Wolverine, du Fox. Donc c'est plutôt bien pensé. Ça change un peu. Sale gosse. Go! Ah. Maintenant, je recharge. Ouais, je tue même mes amis autour, je sais. Mais de toute façon, ils ne vont pas nous manquer. Bah, vous voyez, maintenant, regardez, ah, ok, faut viser quelque chose maintenant pour en or. Normalement, de la mission dernière, il me semblait qu'à peine il visait comme ça et il lançait un rayon. Allez, on va. Wow. C'est la guerre. Wow, c'est classe. Captain America. Tiens, dégage. Merci. Toi, allume-moi ça. Les trucs. On va tourner la tête là. Quelqu'un pourrait dégager la tête. Ah, bah ok. Voilà, j'ai dégagé la tête. Voilà. Mais lui, il va arrêter de disparaître, d'apparaître. Là, il commence sérieusement à me saouler. Faire ça tout le temps là. Allez, maintenant tu vas hypnotiser Wolverine. Et c'est Captain America. Non, toi tu l'as déjà libéré. Ce sera la torche qui va te libérer. Ouais, chacun son tour. Vas-y, lui, je sens qu'il va bien me sourire. Toi, je sens que tu as un sens. Vous allez arrêter de me taper, parce que je sens que là, je vais m'énerver. Non, Wolverine. Toi, tu me laisses creuser. Tu me commences à me saouler, voilà. N'énerve jamais Wolverine. D'accord. Ne m'énerve jamais. Ça, c'est la très grosse erreur de la nature. Énerver Wolverine. Je crois qu'on va y passer. On verra notre main aller de l'autre côté de la map. On va pas savoir pourquoi. Bah, tout simplement parce qu'il fallait pas embêter Wolverine. Parce qu'avec ses griffes en adamantium, comment ça se prononce, je sais plus. Là, on va reprendre notre électricité parce que nous ne pouvons pas vivre sans électricité. Moi, j'ai envie que ma télé marche quand même, hein, parce que sinon, comment je fais pour faire des vidéos? Alors, regarder la télé, tout simplement. Ah, dit. Ah, j'adore. Bon, et toi, maintenant, j'imagine que tu vas devoir cramer ça. Oh, comment ça se cramer de petit à petit. Non. Construis, s'il te plaît. Même si je crois que ça va servir à rien. Voilà, remets-toi comme ça. Parfois ça sert d'être interrompu. Je n'ai pas encore fini. Enfin, nous n'avons pas encore. D'accord, tu n'as pas encore fini. Là, moi j'ai juste à voler. Je me dis. Quelle bande de crétins. Alors. Ah, je sais c'est lequel le vrai. Ah non.
Non, je sais c'est lequel le vrai. Ah non, il était même pas là. Ok, il fallait vraiment bien utiliser notre sens, hein. Sinon on allait tous les frapper, on comprendrait même pas pourquoi il serait toujours pas là. Ouais, je suis un peu fatigué d'un seul coup, je sais pas pourquoi. Captain Rogers, s'il te plaît, ouvre la porte. Parce qu'il va faire d'un seul coup les interrupteurs de Captain America dans Asgard. Ils ont volé le... En fait, parfois c'est le Captain America qui doit aller leur rendre visite. Ouais, salut, c'est moi. Dans 2 secondes. 21 minutes. Ah. Cosmic est dangereux, mon frère. Oh, tout comme moi, mon frère. Exactement. Je compte bien me venger de toi, de la Terre et d'Asgard. Que manigances-tu, Loki? Je ne te dirai rien. Tu n'es pas mon dieu. Ah, cesse donc avec cette phrase. C'est toujours la même rengaine depuis que nous sommes enfants. Ah, tu t'en souviens aussi? Ok, n'importe quoi. Non, tu n'es pas venu. Oula. Oh, c'est le destructeur. Le destructeur. Il est classe. Il est cher classe. Vraiment, il est... Oh, maintenant il le contrôle. Ah oui, parce que Loki, je crois que maintenant il peut contrôler toutes les armes. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je veux détruire ce saleté. En plus, il est invincible. Ah, c'est pas bon, ça. Il est trop invincible. Moi, par contre, je ne crois pas. Pas le feu, tu peux me lancer dessus. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah ouais, ok. Et nous, je crois que vous avez deviné, si on touche, on crève. Mais il n'y a qu'une seule personne qui ne crèvera pas, c'est la torche. Et moi, je les crame tous, même mes coéquipiers, je n'en ai rien à faire de ce qui m'intéresse. Et oui, j'ai oublié de faire fondre quelque chose. Je suis tellement aveugle et même là. Aïe. Mais j'ai oublié de sauvegarder aussi. C'est très important de sauvegarder. Ne jamais oublier. Le prochain qui oublie. Ah, enfin. Ouais. Moi j'ai une idée. Ouais, genre comme par hasard. Alors, on vise qui, le destructeur? Non, pas le destructeur, parce qu'apparemment, son propre rayon, il ne le craint pas. Merci d'avoir détruit mon truc. Hein. Ah là là. Je haïs ses ennemis. Ah ouais, ok, tort, vite, j'ai pas oublié, j'ai pas envie que ça fasse des histoires. Là, oh, ça c'est classe. Parfait, Asgard, est à moi. Ça, je vais le cramer. Qu'est-ce qu'il y a déjà un sur 3? Ah, ok! Ah, c'est. Fais-moi fondre avec ta chaleur, s'il te plaît. Bah, je change de perso alors. Il n'y a que moi qui crains rien parce que je suis fait de feu. Oh,
Donc là, je peux construire tranquillement. Ils auraient pu trouver un autre moyen pour battre notre charmie, parce que là, je trouve que ça fait un peu trop répétitif. Par contre, j'adore l'effet que ça fait là. Vous devez pas voir très bien. Et moi, je vois super bien. On peut déplacer là, voilà. Vous voyez quand même un peu plus. Ah, misérable insecte. Et ouais, moi j'ai pas de caméra qui fait spécialement HD, ça coûte trop cher. Ça. Allez, mais je suis sûr qu'il va se réveiller. Non, et ben non, parce que moi, Thor, il arrive toujours à temps. Voilà, bon, maintenant on voit ses circuits. Ouais, on peut encore le démolir, toi, mon frère. Merci. Oh, casse-toi. Je me doutais. À l'aide! Tiens! Ah, cool, je crois rien quand je fais ça. Je peux tous les électrocuter tranquille pendant que l'autre il va faire n'importe quoi. Je te veux aucun. Abandonne-moi. Cool, je peux lancer des petits trucs, j'ai oublié. Aïe! S'il te plaît, arrête de me viser. Plein dans le ki direct. Ah non, pas assez bas. Allez, dégage. Merci. Et donne-moi le cube de l'hiver, là. Je sais plus son nom exactement. On doit encore le battre deux fois. De moi me prosterner devant toi. Ah, il va lui arracher la tête. Ouais. Il aurait pu le faire depuis le début, ça. Non, lui arracher directement la tête. Ça aurait peut-être été plus simple. Alors là, je parie qu'il va. Avoir le dessus. Ouais, je crois qu'il va se multiplier. Ouais. Alors, quel est le vrai? Ah, on n'a pas trouvé le bon. Non, c'est pas lui. Oh, en fait, ce sont tous des. En fait, il n'y en a aucun de vrai. C'est impossible! Thor, c'est à toi de changer. Bon, je vous laisse écouter. Je vais remettre le cube cosmique en vieux sûr dans la salle du trésor. Hé, hey, blondinette, désolé de devoir te dire ça, mais c'est là qu'il vient les voler. À mon avis, la sécurité est pas au point. Un bataillon entier du Shield va se charger de protéger le cube cosmique. Des humains? Pour protéger un objet d'une telle puissance? Je ferai tomber la poudre sur quiconque contre un Shield. Ok, je vois pas ce qu'il vient faire là, l'autre. Oui. Pour
Alors ouais, j'ai un moment de silence, j'étais hypnotisé par les cinématiques. Bon. Alors écoutez, j'espère, on se retrouve tout de suite pour la bonne annonce et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Et je vous... non, pas encore. Bon écoutez, je vous dis à la prochaine et juste après ça, il y aura la bonne annonce. Moi, je n'aime pas ce que je vois.